1-2-1-2, bonjour, comment ça va? C'est parti, bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Play Saints Row 4, c'est Tom Plus 84, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser un petit peu, on va tchatcher sur cet écran de présentation là, puisque j'ai 2-3 trucs à lire. Je vais m'allumer une petite clope. Alors moi, pour moi, c'est le matin, je sais pas quelle heure il est chez vous. S'il faut, vous me regardez depuis le Canada et chez vous, à cette heure-ci, il est super tard, alors que chez moi, il est, je sais pas moi, il est 8h là. 8h, je me lève pour vous faire, ça c'est des mecs matinaux. Le succès, les gars, il faut aller le chercher le matin, il faut pas attendre 2h de l'après-midi, le succès à 2h de l'après-midi dort. Bon, qu'est-ce que je raconte? Non, voilà, alors déjà, je tiens à m'excuser des 2-3 jours que j'ai passé, toujours pas allumé ma clope. Le mec, il fume à 8h du matin, n'importe quoi, bon. J'ai juste, oui, besoin de m'excuser pour les 2-3 jours que j'ai passé à ne pas poster de vidéo parce que j'étais en train de faire le Bamindé qui est censé sortir aujourd'hui de Mark of the Ninja. Et comme vous allez le voir, bon, le résultat vaut ce qu'il vaut, hein, je suppose qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Et bon, haters gonna hate. Néanmoins, ça m'a quand même pris du temps et j'ai pas pu poster de let's play. On va commencer ensemble, comme ça on va faire un petit peu des conneries pendant que je raconte ma vie. Et donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui dans Saints Row? Alors on m'a donné plein de conseils, c'était très cool. Non ça on s'en tape. On va aller dans quête. Allez, prendre le contrôle d'un magasin, allez je fais ça. If Zinyak wants a fight, we're going to bring it to him. Taking down the simulation will wreak havoc on all the Zin systems and help us locate our friends. There's plenty you can do to overload, disrupt, and generally break the whole damn thing, so let's start small. J'aime bien, le principe de ce jeu, c'est juste de tout péter, hein. Je veux dire, c'est affiché, c'est pas comme dans... comme dans GTA, où vraiment, vous êtes... enfin, vous êtes un petit peu soumis, une espèce d'intrigue, ouais, on a fait des gens, on a fait des personnages et tout. Ce qui est très bien, parce que quand même... Ok, good point. Enfin, je veux dire, tout le scénar d'un GTA-like, souvent, est très très... Excusez-moi, une seconde. Me revoilà, les gens. J'ai un gun qui fait piou-piou. Piou. Et voilà. Piou. Voilà, bon, bref. Oui, donc, le but avoué de ce jeu, c'est un petit peu de tout dégommer sur notre passage, et je trouve que c'est une très bonne idée. Comment on fait déjà pour courir? Ah, voilà, comme ça. Wow, oh mon dieu, il va tout casser, oh non, arrêtez-le, oh my god, waouh. Oui, donc il paraît que la concurrence va vachement plus vite. La concurrence, je ne la nommerai pas, hein, tout le monde la connaît, elle s'appelle la concurrence, faut pas être débile. Hein. Sinon, on l'appellerait, je sais pas moi, Bidule Muc, hein, mais non, comme c'est la concurrence, on va pas commencer à dire de la merde, et c'est la concurrence. Et elle va beaucoup plus vite, et ben on l'emmerde, voilà. Première chose à dire, cache pistache, et j'ai envie de dire, attention. On emmerde aujourd'hui la concurrence à 3, tous ensemble, on emmerde la concurrence à 3. 1, 2, 3, fuck, fuck you la concurrence, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Allez, je prends contrôle du magasin. Oui, oui, je prends contrôle, moi j'arrive, je pète tout moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, donc, comment on fait? Voilà, c'est celui-là qu'il me faut. Ah, merde, clac, hop là, hop, ah non, celui-là j'aimerais l'enlever, voilà. Voilà, comme ça. Et puis, bah oui, celui-là, bien entendu. Oh là là, le piratage de ouf. Fucking kids, these jobs easy. Ouais, grave. Oi, what just happened? Oops, you must have tripped the security alarm. And can I expect this every time? I think I can cut off the outside security program from the rest of the stores. Ta gueule, Kenzie, on s'en bat les steaks de ce que tu racontes. No, wait. Alors, ah tiens, je peux me relooker, très bien. Oh, putain. Mais les gars, je suis en train d'acheter un t-shirt. Enfin, je suis en train de le voler techniquement, mais de toute façon, vous êtes tous des simulations, hein, vous allez... C'est pas comme si, bon, c'était très important ce que vous pensiez, quoi. De toute façon, vous êtes sûrement basé sur une IA commune de PNJ, d'ailleurs, vous êtes tous habillés pareil. Ah, oh mon dieu, il nous tire dessus, oh non, arrêtez-le. Ah bah, ça va être difficile, mon pote. Hein. Oui, alors donc, on fuck la concurrence. Fuck you! Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas fermer la porte juste? Voilà. Alors, zone supérieure. Haut du corps, soutien-gorge. Collier. Collier, je prends un collier. Collier centro, chaîne courte. Chaîne à fleurs, chaîne légère. Collier classe. Pendentif promesse. Ah, je suis en train de me faire tirer dessus. Putain, c'est pas vrai! Mais les gars! Mais taisez-vous! Je suis en train d'acheter des trucs là! Ah, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tue la police? Ah d'accord.
C'est... c'est un jeu... Ok, je vais reprendre mon trustworthy shotgun. Voilà. Voilà, fermez bien vos gueules, putain de merde. Voilà. Oui. Oui, 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 il est où? Voilà, attends. En plus, j'y vais torse poil à la balle les couilles, quoi. Ta gueule. Putain de merde. C'est bon, c'est fini, là. Oh. Putain, mais on peut rien faire tranquille dans ce putain de jeu. Il y a toujours des connards, hein. Bon, j'étais en train de choisir un putain de collier. Alors, pendentif promesse, ça roule. Couleur secondaire, on va prendre celle-là. Couleur primaire, on va prendre celle-là. Voilà, très bien. Acheter. Ouais, j'achète, je m'en bats les couilles. Sac à dos. Chaton animé, très bien. Ah, mais c'est pas vrai, mais putain! Barrez-vous, vous me... Qu'est-ce que tu... C'est pas vrai, ça! Barre-toi, toi! Mais y a tout le temps des cums au milieu, là! On ne peut pas zigouiller en paix, je vous jure! Fermez vos gueules, putain! Ah, mais il me casse... Ah, détruis le portail, il faut que je détruise le putain de portail. Ah, il est là-haut. Putain, comment on fait? Ah, il a des PV, le portail, bon. Voilà, c'est bon, c'est fini maintenant? Ah, une seconde, je recharge, mec, je recharge. Ta gueule! Ah, mais bordel de merde! Fermez bien vos putains de gueules, bande de connards, quoi! Oh! C'est bon? Y'a plus personne pour venir râler? Mais c'est pas... Tiens! Pédé de... Ah, mais barrez-vous! Mais j'hallucine, mais ils en sortent de partout, on dirait un chapeau de magicien! Avec des putains de zéniacs dedans, ta gueule! C'est bon là? Oh! Mais putain, je te jure ce jeu quoi! Ta gueule toi aussi! Non, je remplace que dalle, vous allez me saouler longtemps là? Oh! Y'a un autre putain de porte! Ferme ta gueule, portail de merde! Voilà, recharge, paf! Oh, sa mère! He's controlling the security program here. So if you catch the golden orb and shut it down, then the Zin should no longer see you as an immediate threat. Catch the golden orb. Elle est où la golden orb? Ride a broom for this? No. Catch the golden orb. Ok, bon. C'est où le bidule? Ça a l'air d'être par là. Oh là là, je vous jure. Merde, j'ai bientôt plus d'endurance. Reviens là! Voilà! Putain! C'est pas vrai! C'est pas vrai ça! Great! At least you have a way to get the Zin off your back now, so keep that in mind. Remember, this is only the beginning. Il était où mon magasin? Je voulais acheter un collier! Ah là, je vous jure! On peut jamais être tranquille, bon! Ah, ça y est, j'ai fini ma mission! Pirater là. J'ai rien acheté du coup. Ah là là, bon c'est pas grave. Très bien, super. Qu'est-ce que c'est ça, Galactic Overload, Head Emperor? Qu'est-ce que c'est, aventure textuelle? Des chapitres de la vie de Zeniac ont été disséminés dans les steel points virtuels, là. Très bien. Ok, statut de Zeniac. Ok, est-ce que je peux m'acheter des seringues? Ce serait vraiment une bonne chose. Oui, donc fuck la concurrence. La concurrence fuck là. Parce qu'il est bon de faire l'amour. Puisque fuck, c'est jamais qu'une façon de faire l'amour, quoi. Faut enfreindre la noix. Enfreindre... Non. Ce que je veux, c'est... Non. Je n'ai plus rien d'autre que ça. Ah, voilà, c'est ça. Carte. Il est où mon magasin de fringues? Voilà, on va aller s'acheter des sables. Parce que c'est vrai que j'en ai marre d'être habillé en grand-père. Hop. Voilà. Donc... Alors oui, plusieurs choses, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont... Il y a des mecs qui sont pas contents par là. Hein. Ça se voit, ça se sent. J'ai comme l'impression qu'il y a des mecs pas contents. Et ça rime. Parce que je ne suis pas seulement meurtrier président des États-Unis, je suis aussi poète. Ange ou démon? Alors oui. Voilà. Clac. Donc, zone supérieure, piercing, poignée, tenue. Tenue de travailleur, tenue... Mon dieu.
Ouais. Cyber Saint. Ah, j'aime bien. J'aime bien le look South Beach. Oui, ça j'adore par contre. Ah là là, ah bah ouais. Classe vintage, monsieur le président. Costard, Centro. Oh! Pas mal, femme des années 50. Ok, bad boy, tout ça. Guide de safari, DJ Electro. Alors, ma petite préférence allant très certainement à celui-là. Hein. Et donc les gars, on va carrément l'acheter. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse ressembler à quelque chose d'autre que ça, quoi. À quelque chose de plus ridicule que ça, c'est très difficile. Il peut y avoir ça, éventuellement. Serviette de bain. Ouais, non, bon, c'est bon. Donc, ok, très bien. Quitter. Quitter, accepter, voilà. Voilà, bah on est très bien comme ça. On a trop la classe. On a trop la méga classe, quoi. Je me demande si je vais continuer à descendre encore plus. Enfin, à chaque fois que je peux, hein, je vais essayer de le faire. Il y a encore des orbes à choper là ou qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Ah, il y a des trucs à shutdown. Bon, bah allons-y. J'ai l'impression que je me fais tirer dessus. Ça a pas l'air d'être qu'une impression. Mais donc, il paraît que la concurrence va plus vite. Il paraîtrait que j'ai un tout petit pénis. Bon, bah écoutez, toutes ces choses ne sont que des on-dit. Mon pénis est à une taille tout à fait correcte, hein, sans vouloir en rajouter, hein, je vais pas commencer à... Enfin, c'est vrai, les légendes ne sont pas exagérées non plus, mais... voilà, je désactive. Ah, c'est pas vrai. Hop. On m'a aussi conseillé... De jouer un peu. Enfin, par on, j'entends toujours, c'est simple, hein. On, il y a mes potes qui commentent. Et puis, d'ailleurs, je les remercie de tous leurs conseils avisés. Et il y a aussi mon pote Raph, qui m'a dit, alors, ce que tu devrais faire, c'est jouer un petit peu, genre une heure ou deux, et puis ensuite, te mettre à enregistrer. Et comme toutes les grandes divas, j'ai décidé d'ignorer son conseil complètement, et je joue... Je joue en mode balestec, voilà. J'aimerais bien acheter des grenades quand même. Là, il me gonfle. Nanana. Attendez, j'ai pas un truc. Voilà, je vais prendre ça. Ah, je peux avoir le double flingue. C'est nul. Voilà. Ouais, et là, il y a vraiment un connard qui m'énerve depuis tout à l'heure. Ah, putain. D'où il vient? D'où il vient? C'est fini, voilà. Tu te tais. Et toi aussi, sale garde de merde, mais c'est pas vrai ces mecs, hein. Hop, on va faire un petit tour pour choper un petit peu des vies. Putain, les gars. Ils sont où? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la fête! Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh là là, c'est la fête à la braguette, hein. Je sais pas ce qui se passe. Bon allez, je me casse. Oui, donc on m'a dit ce que tu devrais faire, c'est ne jamais laisser de mission secondaire pas faite. Parce que ça te rapporte des thunes après. Bah ouais, bah écoutez, c'est un très bon conseil que je vais me faire un plaisir de ne pas suivre, parce que comme toutes les divas, j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Donc dans cette intro aujourd'hui, je sais pas exactement ce qu'on va faire, je sais pas exactement ce qui va se passer. Faut dire, ce jeu est un peu bordélique dans ses objectifs, hein. C'est un petit peu la merde. Hop, je vais réussir à le faire ça, putain. Voilà, très bien, Eden. Ok. Alors, est-ce qu'il peut y avoir de la vie quelque part, s'il vous plaît? Je me demande s'il y a... Alors apparemment, il y a 1000 clusters à récupérer, ce qui est beaucoup, je trouve. Et ça augmente mes pouvoirs, ce qui est pas mal, quand même. C'est apparemment la monnaie qui me permet d'augmenter un petit peu toutes mes capacités. Je vais me faire le plaisir, vraiment le plaisir d'acheter de la vie au plus vite, parce que... avec tout ce que je me fais canarder, il serait temps de...
serait temps d'acheter un petit peu de vie. Voilà, un autre cluster. Ils sont où mes objectifs? Il y en a là-bas. Et oui, il paraît que... il paraît que les pingouins, en fait, c'est un petit peu des... C'est un petit peu des gens malsains qui font l'amour avec des enfants. Alors, moi je dis, bah écoutez, vous les connaissez pas les pingouins. Vous savez pas ce que... Vous savez pas ce qu'ils ont vécu, vous savez pas ce que ça veut dire d'être pingouin, alors vous commencez pas à juger. Et puis ensuite... Ensuite quoi? Il paraît qu'après on peut voler, très bonne idée. Très bonne idée de voler, moi j'aime bien. Je suis complètement pour. Par contre, si c'est pour voler des chaînes en plastique, moi je dis non. Et si c'est pour voler au Super U, moi je dis non. Parce que bah, ça nous appartient pas le Super U, il faut pas commencer à... Wouh, c'est un peu la fête par ici. Qu'est-ce que c'est? C'est une tourelle? C'est une putain de tourelle. On peut pas la détruire. Bon, bah c'est pas grave, je vais courir. Hop, hop, oui. Sinon... Il est où le bidule? Je le vois plus. Oui, j'aime beaucoup le... Ah, sortie du point de machin. Non, je m'en fous, je veux pas sortir. J'aime beaucoup la façon dont ce jeu se fait, un petit peu à la manière d'un sandbox, on appelle ça. J'ai plus beaucoup de vie, putain. D'un un jeu un peu bac à sable, mais c'est quand même assez emmerdant. Ouais, je me suis fait tuer. Je reprends un petit peu de ma clope. Ouais, assez emmerdant parce que du coup, on sait jamais où aller. On sait jamais quoi faire. Du coup, j'ai échoué la mission? Non. Si, on sait pas. C'est pas flagrant. C'est où le bidule? Mais ce que je veux dire, ce jeu est pas flagrant dans ses objectifs. Bon, c'est pas grave. On est où notre épisode? C'est pas tout ça de faire la merde, mais... Ok, c'est bon. Alors. Oui, donc j'ai été pris ces derniers temps dans tout un tas de bullshit à cause de mon prochain épisode de Bamamd. Et en fait, j'ai pris pas mal de temps... Enfin, je savais pas exactement quoi faire, quoi. J'étais un petit peu... Je sais pas... Ouais, je cherche à retrouver l'objectif, parce que j'étais à 2 sur 3, ça me fait chier de pas l'avoir fini. Ça doit être affiché sur ma carte, ça. Hop, carte. Bon. Qu'est-ce que c'est, ça? Antichambre, accéder au vaisseau personnalisé, non. Ça, c'est... Injection de virus, insérer un nouveau code, ok. Inconnu, jeu, très bien. Zone d'action, tue les escouades aliens. Hein? Jeu, inconnu, ok. Et ça, c'est point sensible, éteint les générateurs. Ah, c'est là. Ouais, et donc, comme disait l'autre, haters gonna hate, hein, on va essayer d'augmenter un petit peu nos capacités si on peut. C'est dans pouvoir, explosion. Non. Enfin, oui, allez, explosion. Amélioration. Et j'aimerais encore un temps de recharge mieux. Tu n'as pas assez de clusters de données. Combien c'est un immense requis? 13 disponibles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? prix 20. Ah d'accord, c'est 20 machins et j'en ai 13. Alors, ils sont où? Il y en a un là-haut. Alors, comptez avec moi, les amis. Je suis ravi de savoir qu'il y a des gens qui ont appelé la carte quand j'ai dit d'appeler la carte. Ensuite, je suis ravi de savoir que les pingouins violent des enfants. Parce que les enfants, de temps en temps, bah ils les cherchent à s'habiller en cuir tout le temps avec des boules de geisha enfoncées dans l'anus. Franchement, après on peut pas trop venir se plaindre quoi. Ça fait 13-14. Hop, j'envoie là-bas. Ouh, je me suis fait écraser par une bagnole. C'est pas grave. Alors, je suis ravi de savoir que Pinachou vous plaît. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le surnom qu'on lui a donné, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Pinachou, je vous conseille d'aller voir ma page Facebook. C'est une super page Facebook, elle a toutes les activités de la page Facebook, 17. Genre, tu peux cliquer, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux dire « Ouais, alors ça c'était bien, ouais ça c'était un peu moins bien, mais quand même c'était rigolo. Bon, ça c'était complètement à chier. » Tu peux dire c'est complètement à chier, hein, moi je...
Sinon, je me fais spammer la gueule sur mon site internet par une bande de japonais. Donc il y a moyen qu'on... On va parler avec mon pote avec lequel j'ai fait le site. Il y a moyen qu'on enlève le... Donc on vire les commentaires, je suis désolé. Vous pouvez toujours commenter pour la page, sur la page Facebook. Oui, alors c'est bien, c'est pas bien. Ouais, on dirait un petit peu que c'est bien quand même. Hein. Moi, je dirais que c'est bien. Bon, hop là. Et donc là, on en est à 20. Ok, super. Décidément, j'aimerais bien qu'ils inversent ces deux boutons-là. Ok, nouvelles améliorations sur le Super Spring. Hop, amélioration, recharge 2. Voilà, très bien. Ok, super. Hop, hop, ensuite amélioration ici, santé. Santé, carnage, piéton, valeur ramassée. Santé, amélioration. Niveau Rocky 2, qu'est-ce qui se passe là? Amélioration de 25% de la santé, pourquoi je peux pas? Prix 2000, ben j'ai 9000, ça devrait le faire. Ah, mais je l'ai déjà acheté, c'est ça. Amélioration 2, faut que je sois level 14. Aspiration machin, donc je peux acheter ça. Hop. Ok, et celui-là. Ok, très bien. Alors ensuite, dans dégâts, bah, je vais tout acheter, c'est bon. Dans combat, qu'est-ce qui se passe dans combat? Qu'est-ce que j'ai Il paraît que je peux voler, donc ça doit être par là, je pense. Capacité de gang. Entraîne tes potes pour qu'ils vacillent moins quand ils reçoivent des balles. Ouais, mais j'ai pas de potes pour l'instant. Ok. Bonus, objet personnalisable. Qu'est-ce que c'est que ça? Personnalisation de gang, personnalisation. Ok, tenue oncle Sam. Ok, dégâts. C'est bon, on avait déjà vu. Dans combat, est-ce qu'il y a des trucs? Munitions de pistolet. Munitions de fusil à pompe. Allez hop. Je n'ai pas assez d'argent. Eh ben c'est très bien, voilà. Donc, elle est où? Mon objectif, il est là-bas. Oui, donc on va faire pas mal, un épisode un petit peu plus long que d'habitude. Tout simplement parce que là, j'ai à peine de commencer, j'ai l'impression, et que... Ben j'ai l'impression que j'ai... Enfin, j'ai l'impression... J'ai pas beaucoup joué ces derniers temps, et donc du coup, il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre dans le bain. Oui, je peux courir sur l'eau, donc tout va bien. Et si vous savez où est-ce qu'on trouve l'amélioration pour voler, n'hésitez pas à me le dire. Ah, le voilà, le dernier machin à déclencher. J'espère que je vais pas devoir... je vais pas avoir à me refaire les... Oula, c'est un peu la fête. J'espère que je vais pas avoir à me refaire tous les mecs, tous les trois en fait que j'avais déjà fait. Hop. 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 Excusez-moi, hein, je fais des headshots là. Hop. Clac, clac, clac. Voilà. Hop. Voilà. Très bien. J'ai l'impression qu'on est bon pour ce côté-là. Ah non, non, 0 sur 3. Hein. Je vais devoir recommencer. Voilà, aidant. Il est où le prochain? Il est où le prochain? Il est là-bas. Alors... Non, il y en a un là-bas. On va essayer de récupérer des clusters de données. Et donc, il paraît que si on finit les missions... Ça, c'est un truc que j'aime bien. Si on finit les missions... Si on finit les missions secondaires, elles continuent à vous ramener de la thune. Voilà. Hop. Je récupère un petit peu toute cette vie, voilà. Alors, il me faisait tirer dessus par là, il a bougé. Voilà. Oh, quel boulet. Voilà, merci. C'est bon? On va pouvoir faire notre business là? Super, bon, très bien. Bah, j'espère que le prochain épisode de Bamandé vous plaira. C'est un petit peu spécial, mais enfin bon, Bamandé, on pourra pas dire que c'est une émission... Je sais pas si c'est une bonne émission, en tout cas on pourra pas dire que c'est une émission traditionnelle. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bamandé, c'est Nawak.
Vous ne savez pas très bien à quoi vous attendre, d'ailleurs moi non plus, chaque semaine c'est une surprise pour moi aussi. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Alors, ok, par où on va passer, je ne sais pas. Je suis bien content de m'être procuré cette robe, je trouve qu'elle me va ravir. Elle met en valeur mon gros cul. Ok, clac. Clac, ok. Et l'objectif est là-haut. Comment je fais pour y aller, putain de merde? Ah, d'accord. Va falloir que je bouge un peu le cul là. Voilà. On récupère un peu cette vie. J'ai bien fait d'acheter cette amélioration parce que... Genre, je suis un peu moins... emmerdé à cause de ma vie. Bon. Ah, il faut que je bute ce machin. Ah. Attends, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est nulle, sa mitraillette. Voilà. Et donc... Voilà, très bien. Comment est-ce qu'on fait pour monter là-haut? Putain de merde. Putain de merde. Ah, là. Ça, si je pouvais voler, je serais moins emmerdé, ça c'est sûr. Hop, on va y aller tout doucement. Sans se presser. Ok. Ok. Ah, voilà. Et donc il reste ce petit merde là-bas. Putain, ils ne savent pas tirer ces aliens. Bon, voilà. On va peut-être pouvoir en finir avec ces bêtises. Oh yes! Et voilà. Très bien. Hop là. Merde, je suis tombé. Fait chier. Bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai complété le bidule. Ok, mon objectif est là-bas maintenant. Alors... On va... Allez, tiens, c'est un cluster de données, ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Fou, c'est la fête par là, mon dieu! Ok, clac. Alors... D'accord, il y a des tourelles un peu partout. C'est pas très grave. Par contre, ça... On va courir un petit peu, on va les faire tourner en bourrique. Hop là. Alors, ils sont où ces mecs? Hop là! Ok. Clac! Putain, ces canons, ils sont bien balèzes. Canardé dans tous les sens. Qui me casse les couilles, ces putains de canons. Si quelqu'un sait comment on démonte les canons, qu'il me le dise. Hein. Ah ouais, je peux pas le faire. Bon. Ah là là, j'ai déjà plus de vie. Fait chier, non. N'échouerai pas maintenant. Alors, y a pas des packs de vie quelque part? Je devrais balancer mon pouvoir magique. Ah, et sur... Le pouvoir magique sur le canon. Est-ce que ça marche? Ah, j'ai vu un peu de vie là. Non, c'est pas de la vie, c'est un espèce de cluster, sauf que c'en est pas un. Je sais pas à quoi ça sert ce machin, mais. Ok. Je vais en profiter pour allumer la clope. Attendez-vous à une pluie de vidéos. Hein. Tiens d'ailleurs, allez hop, on va mettre fin à celle-là. N'hésitez pas à renvoyer la prochaine qui devrait arriver incessamment sous peu, puisque aujourd'hui j'envoie grave de vidéos. Allez, je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir du centro tout pourri ou avec un mec qui sait pas trop jouer, mais qui s'amuse bien quand même. Allez, je vous fais de gros bisous. Jouez bien. Faites pas l'amour à des pingouins, apparemment ils font l'amour avec d'autres des enfants et donc vous avez aucune chance. Et jouez bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao.